Non mais what? Ah voilà. Allez, je vais vous bloquer. Oh, fais-moi les malins d'un coup. Hein. Oh, j'ai cru que j'allais me faire avoir moi ici. Youhou! J'ai réussi! Vengeance! Vengeance! On va sauvegarder. Donc j'ai bien eu un bug là tout de suite, c'est... Ah, on est bien, on est bien. J'aurais dû... petite anecdote. J'aurais dû faire la dernière mission aussi en live de... Citro, The Third. Parce que là j'ai réussi à aller sous la map. Ah, je vous raconte pas le... J'ai mis, je crois, 3 heures à faire la dernière mission. C'était horrible. C'était... Oh, horrible. Bon, on va quand même aller faire... Non. Non, non, non. Continue. Je veux faire la quête annexe. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Avec une petite quête. A good day to you, sir. Ah, un coffre. Magie, magie, vos idées ont du génie. Sinon, je n'abandonne pas l'idée de faire jouer un jour à L4, un JDR. J'en ai acheté deux nouveaux d'ailleurs. Le Seigneur des Anneaux. Et un autre, je préfère ne pas le dire au cas où un de mes joueurs regarderait la vidéo, je vais leur laisser la surprise. Je sais, c'est un peu gamin de ma part, mais... C'est parce que c'est... J'ai envie de faire une intro à ma façon. Et donc s'ils savent ce que c'est, ça va leur gâcher le plaisir. Waouh! You can start by explaining to me why you refused to honor the orders agreed upon with the guard. There's been a misunderstanding, sir. Of course we're ready to honor the orders. In fact, I've already had a word with your master at arms. They're asking that we pay again, despite having already paid. It's just that the price has gone up since. I've nothing to do with it. This is inadmissible. Oula. If you agree on a sum, you need to honor that agreement. I'm sorry, sir. Yeah, that's all. I'm an agent, and I'm only obeying orders. Your master has apparently asked you to demand a second payment for this merchandise. That's right. He told me that their attendant seemed to be hiding something when he passed the order. And so he must have thought the guard would end up paying in the end whatever he asked for. I'll be damned. And I'm the one they've sent to settle the affair. Sorry, Captain, it's nothing personal. I'm only following orders. Following orders? Yeah, we hear you. Makes one wonder which one of the two of us is a coin guard. Your master has apparently asked you to demand a second payment. That's right. And so I'll be sorry, Captain. Ok, donc ils mettent pas clairement qu'on a déjà posé une question. Why don't we go and solicit other suppliers, Kurt? When we've already paid for the merchandise. If these thieves agree to reimburse the original payment, it's what we do immediately. And do know, in the future, we won't be shopping with them. Well, I should think not. This whole story sounds suspicious and stinks of a scandal.
You're demanding a second payment, but refuse to reimburse the one that was already made. I'm not the one demanding nor refusing. It's my master. Where is your master? This stubborn fool is pushing me to madness. You understand now why I'm asking for your help? I don't think you understand who you're dealing with. Perhaps I failed to present myself properly. Lord de Sade, nephew of the Prince d'Orsay and legate of the Congregation of Merchants. During our conversation, you explained to me that your master forced you to commit a crime. That's regrettable, especially as you will be considered his accomplice in extortion, theft. You know as well as I that the congregation does not tolerate such illegal activities. But I'm only obeying orders. That is a shame. Well, as orders are the only language you seem to understand, I order you to return the guard the merchandise, without delay. Unless you'd rather your master is hung and that you finish your days in prison. I beg your pardon, sir, but you are not my master. Moreover, the attendant guard was quite specific, saying this affair... Ça avait 75% de chance de réussite et j'ai raté mon jet. So I seriously doubt that you'll be wanting to drag us in front of a judge. That would stir up the muck. Whatever is he talking about, Kurt? Your guess is as good as mine. We shall return. See you soon. J'avais 75% de chance de réussite et j'ai foiré. Bah oui, mais moi je veux bien, il est où? Voilà. Bah oui. And so you're back, sir. Do you have our second? Don't count on it. Faut de 20, ouais, mais c'est quoi ce un œil? Intuition. Ah. Ouais, j'ai pas le talent, c'est bien ce qui me semblait. À part le menacer, j'ai plus vraiment le choix. I have no patience for bandits and robbers. Either you give us back what's ours or we'll take it. Your idea of diplomacy isn't all that different from my own. Hey, j'ai essayé, j'ai raté. Since you leave us no choice. The merchant's clerk isn't hearing your arguments. The only thing left is a show of strength. Sorry, Greenblood. If I'd have known, I wouldn't have gotten you mixed up in this. Est-ce que c'est forcé qu'on rate? Attendez. Parce que ça, ça m'intéresse. J'avais quand même 75% de chance de réussite, donc rater, ça me paraît tellement fou. Alors, je suis... Ah bah, j'étais juste à côté, c'est cool. On va passer tous les dialogues. I don't think you understand. That's regrettable. You know. But I'm only. That is a shame. I order you to return the guard unless you'd rather your master is hung and that you finish. C'était là plus ou moins. Ah là, ça a réussi. Non, c'était bon. I shall go immediately and ask that these crates be delivered to the attendant. Now that's a wise decision. Okay. Thank you. I was beginning. You're certainly honoring your new title. Bravo. The quartermaster must be expecting us. Ah, j'hésite à reprendre cette sauvegarde. Non, je... On est roleplay ou on l'est pas. Et moi, je suis roleplay. Donc j'ai échoué dans mon jet. D'ailleurs, si vous aussi vous ratez vos jets dans les jeux de rôle, n'hésitez pas à un petit partage, un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Voilà, donc, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse derrière? Bah pour l'instant j'aime bien. Après, voilà, quand c'est un jeu de rôle, moi je suis toujours... on dirait... je me rappelle plus de son nom, l'héroïne d'Assassin's Creed Liberation. Oula!
Oula. Ah ça c'était pas prévu. Ah, cœur tête au sol. Déjà. Je touche rien. Help. Help. Finalement, j'aurais peut-être dû garder mon... ma réussite. Parce que là, ça serait un petit peu compliqué. Surtout si Kurt il meurt au bout de 30 secondes. Peut-être faire d'abord... Ouais, mais il n'y a pas d'autre quête annexe, donc je peux pas vraiment aller pexer. Oh, yo, 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 yo. Ah ouais. Ah, j'ai de nouveau des balles. Bonne nouvelle. Deux balles et c'est déjà bien. Ce sera déjà très très bien. Ah oui, il recharge, je suis con. J'ai pas assez d'énergie ? Ah, c'est ça les mains en fait en feu. Bah, allez, j'appuie sur. Mais. T'as cette caméra, elle est. Elle m'énerve. Parce que ça me perd. Je ne vois jamais rien. Je vais aller voir si je peux acheter des balles. Ça va jouer un peu petite bite, mais. Il faut vraiment que Spider apprenne à ce que le mode extrême ne soit pas frustrant à ce point-là, quoi. Ça, c'est leur gros défaut, et depuis longtemps. C'était où le marchand? C'était là-bas. J'adore leur jeu, mais quand on commence en extrême comme ça, c'est souvent la croix et la bannière, quoi. Utiliser établi. Bien. Merde. Ok, j'ai rien. Ça m'aurait surpris. Et le pommeau, ce sera pareil. Figures. Ouais, c'est... Ça ne sert à rien, je n'ai rien. Non. Je n'ai rien oublié. Alors je dis. Oula, la V-Sync. Ouh, la V-Sync, ça fait mal aux yeux. T'as pas une quête annexe? Godfroy. Non, Godfroy. Geoffrey, quoi. Godfroy, non. How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are. Là, on dirait le Covid. The Malicor and the neighboring walls have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Has the Malicor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People are still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Oh, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tirfredi. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there.
Last night, some Nauts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. I need to be off. Farewell. Goodbye. Même pas une quête. C'est un tavernier. Les taverniers ont toujours des quêtes. Alors moi j'ai payé le tavernier, j'ai mis ces pièces d'or là. Oh des pièces d'or, je prends. Oh des pièces d'or, je prends. Oula. Jouer au poker. Ah, ces gens qui abandonnent leurs pièces d'or. Je peux pas jouer avec vous ? Donc vous voyez clairement ce que j'avais pensé, que c'était peut-être ma console qui commençait à faire de la merde par rapport à Sinistro. Hein. Vous voyez bien ici, il n'y a aucun souci, ça tourne impeccablement. Je vous dis, c'est le lendemain. Donc, maintenant, de toute façon... Il est désinstallé, je l'ai fini. Mais oui, mais je voudrais trouver un marchand pour acheter Babal. Babal. Clé de la réserve. Oh. Ah, j'ai pas le talent. Ah, c'est des bougies, je crois que c'est des pièces d'or. Rendez-moi mon argent. Entre parenthèses, rien à voir, et vu que la vidéo sortira sûrement très tard, le jeu sera sorti. J'ai testé la démo de Nullbuck. Bonjour Nullbuck. Vraiment très bien. Je le prendrai sûrement à sa sortie. Il y a Noob aussi qui va pas tarder à arriver, je pense. Donc, si vous n'avez jamais vu Noob, allez directement regarder. Moi, je vais sûrement bientôt commencer. C'est pas faux. Si vous avez la référence. Normalement, je pense que oui. Moi, je l'avais pas. Moi, cette référence-là est venue naturellement. Moi, je l'utilisais déjà depuis longtemps, cette référence. Et c'est quand on m'a dit... ça venait de là, j'ai fait ah. J'ai fait ah bon? C'est ça? Ah bah je savais pas. Ah. Ah bah non. J'aurais essayé des trucs cool, mais enfin. Non. Enfin. Locked. Peut-être pas pour maintenant. Ah ouais. Ok, on va sauvegarder. Après tout, il s'est passé des choses. Il y a un coffre dans ta maison, mais où est ta maison ? Je voulais juste trouver un marchand. Mais il y a plein d'armes, je peux pas prendre des balles, non? S'il vous plaît, messieurs, il y a plein d'armes, il y a bien une petite balle. Où est-ce que je suis? Bonjour. Ah. Enchanté. Not yet. You know, this type of mission is not really my speciality. Oh, that's to your honor. But the commander did give the order to you. J'ai raté mon jet. Might be able to help you. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required.
J'ai raté mon jet. Prout. Et si tu voulais bien me vendre des balles, ça m'aiderait. Amitié, bisous. Où est-ce que je suis? Je suis nouveau là. Ah là, il y a un marchand. Bonjour monsieur, est-ce que vous vendriez des balles? Ouais. Je vais d'abord vendre. Ça, j'ai besoin. Chapeau de bandit, j'ai pas besoin. Ça, je peux pas vendre. Ça, je vais garder. Ah, chez nous, voilà. Peut-être. Tu vends pas juste des balles? Juste des balles. Ah ouais, je suis con, peut-être. Bon, attendez. Parce qu'il n'a pas l'air de vendre juste des balles. Oui. J'ai 59 plus de pièces d'or. En théorie, tout ça, je peux pas me le permettre. Ah. Ces armes à deux mains, ça ne m'intéresse pas. Ok. Ça ne m'aide pas. Ah, le seul truc qui est bien, c'est trop cher, évidemment. Chemise de lin, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ah. Désolé, petit éternuement. Récupération de vie. Hein? Ah, j'hésite. On va prendre ça. Parce que régénération de magie, je m'en fous. Là, c'est récupération de vie. Ça m'arrangera plus. Est-ce que... Le partenaire, non, il a rien. Bah, prends. Tiens. Tu pourras régénérer ta magie. Bon. Voilà. Ça ne m'aide pas, ça ne me donne pas des balles, mais... Suivant des quêtes? Je ne pense pas. On va les retenter. Bon, je vais prendre le risque. Je vais... Tant pis. J'ai un truc qui me rend des points de vie, peut-être que... Maybe. Par là. Oh, des aubergines! Merde! Où est-ce qu'ils sortent, eux? Oui, mais... Je vois rien... Mais on leur fait aucun dégât! C'est de nouveau un bug! Non, mais je comprends pas, moi! Je leur fais aucun dégât! Mais what? Je ne comprends pas.
Allez, mais pourquoi? Mais vas-y, j'appuie sur le bouton! Non, je leur fais aucun dégât! Mais c'est un truc de fou! Non mais what? Zéro dégât, je leur fais! Putain, mais c'est quoi ce... C'est quoi ce bordel? Et je l'ai raté, vas-y. Je leur fais aucun dégât. C'est pas possible. Je leur fais zéro dégât. Et c'est bon les mecs, en extrême ça veut dire faire zéro dégât aux ennemis. Merde hein, c'est pas jouable. Je vais laisser tomber cette quête annexe, j'aurais dû prendre la validation. Non mais sérieux, je fais zéro dégât. Ils sont où les deux responsables? Je vais les voir, ils ont... Je veux bien aller voir Monsieur Machin là, mais je fais zéro dégâts. Mais zéro quoi. C'est pas humain. Mais je ne vois toujours pas Constantine à votre côté. Bah, je suis en train de me faire piloter la gueule par tous les ennemis parce que je leur fais zéro dégâts, merde hein. Ah, si je peux avoir deux alliés. Ah non. Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of official advisor, nothing more. But His Highness has also asked me to report to him on certain strategic observations. I am therefore required to take note of all events, chart the island and its resources, but also obtain as much knowledge as possible concerning the more dangerous creatures of the island. Your help will be extremely valuable to me. I've no longer the legs of an adventurer. It's always a privilege to help, Master. Ah, j'aimerais une épée qui ne soit pas en mousse. I need to be leaving. I have quite a few things to do before we raise anchor. Non mais sérieux. Lively there, lads and lasses! I promised the merchants and their prince we'd be off before the tide. You man, carry that properly. That porcelain is worth more than your life. There are some children we'd be best to refuse. Captain Vasco. And you are? I'm de Sade, the prince's nephew. If all is in order, we will soon be embarking on your boat. It's a ship. Not a boat. Apologies. Apologies for my asking, but the young governor isn't with you. He didn't come home this morning. I need to find him before departure. I hope nothing's happened to him or he hasn't changed his mind. The tide does not wait. Perhaps he simply celebrated his imminent departure with a little too much enthusiasm. Is everything ready? We're short a crew member. The cabin boy is missing. But have no fear, we will leave without him if he does not present himself before the tide. Is he an important member of the crew? We don't need him for sailing or navigation. He's only a cabin boy. He must have simply had a bit too much to drink in celebrating his departure, like another I know. I doubt that. Jonas was never one to fancy drink. And it's been 2 days. Vous voulez que je le retrouve?